Christ alone my hope has found. He is my light, my strength, my song. Et bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens et nous arrivons au chapitre 4. Paul vient juste de défendre le ministère, l'évangile à travers le chapitre 3 et maintenant il va revenir et se défendre lui-même. Il faut se rappeler, on est dans la grande parenthèse qui a commencé à la fin du chapitre 2 qui se termine au début du chapitre 7 où est-ce que Paul va chercher à faire une grande défense. Une défense non seulement du message, l'évangile, mais de sa personne. Parce qu'il comprend, des fois quand tu détruis la personne, le messager, personne ne veut écouter le message donc. Pensez à l'exemple de toutes les grandes religions, les mormons ou les musulmans, les témoins de Jéhovah. Et quand bien souvent, lorsqu'on reconnaît qui étaient les fondateurs de ces religions, et la sorte de vie inappropriée, vraiment perverse qu'ils ont vécu, on a tendance à dire « je veux rien savoir de ton message ». Et donc Paul comprend, c'est « si ces judaïsants réussissent à détruire mon personne, détruire mon identité, de vraiment me présenter comme quelqu'un qui est dans le péché, ben mon message, aussi vrai qu'il pourrait l'être, va être démantibulé ». Mais ce n'est pas juste assez de dire « écoutez-moi parce que j'ai une vie qui est honorable à Dieu ». Plusieurs ont des vies honorables à Dieu, mais leur message, ce n'est pas de la Bible. C'est pour ça qu'ils cherchaient à défendre le message comme démontrant, prouvant que ça vient d'éternel. Il a passé un chapitre au complet pour montrer que ce message est bâti sur l'ancien et il est vastement meilleur parce qu'il offre des choses qui sont vastement meilleures. Donc, dans notre petite section des versets 1 à 6 du chapitre 4, nous allons voir Paul justement se promener entre défendre sa personne, son ministère si vous voulez, et le message. Pour ultimement arriver à son apogée et montrer la puissance de ce message. Mais on va se rendre là très rapidement. On va commencer avec le verset 1 qui dit « C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. » Donc, il commence en disant « c'est pourquoi ». Mais ça, c'est bâti sur le chapitre 3. Où est-ce qu'il sera démontré, comme j'ai dit, l'aspect plus glorieux de cette nouvelle alliance, ce nouveau ministère, comme il l'appelle ici. Celui qui donne la vie à place de la mort. Celui qui justifie à place de condamner. C'est pourquoi, donc, il a ce courage de proclamer. Parce qu'il sait qu'il est vastement meilleur. Il y a aussi l'idée qu'on ne perd pas courage dans le sens en tant que chrétien parce que c'est un message d'espérance. Mais l'accent principal, c'est Paul, son équipe, ne perd pas le courage de prêcher ce message, même si présentement à Corinthe, il y a des gens qui s'y opposent. Non seulement les judaïsants, mais ils ont réussi à convaincre certains membres de l'Église de dire « on ne veut plus rien savoir de ton message, Paul. On veut ce message de cette ancienne alliance qui semble tellement beau. » Il n'a pas dit « parce que je reconnais que c'est vastement meilleur ce ministère, cette nouvelle alliance, je le prêche avec courage. » Et ne manquez pas que dans plein milieu, il dit, c'est selon la miséricorde qui nous a été faite. Encore, l'idée que oui, dans cette nouvelle alliance, nous avons la miséricorde, la grâce, c'est ça la nouvelle alliance, mais c'est surtout centré sur Paul lui-même, son équipe, nous avons cette miséricorde de la part de Dieu. Nous avons le fait que Dieu nous a pris des misérables créatures que nous sommes pour prêcher son message. Il nous utilise pour partir des églises partout, pour rejoindre du monde à travers l'Empire romain. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai le courage de proclamer. Je l'ai vu à l'œuvre. Et c'est là qu'il va vraiment rentrer dans sa défense personnelle au verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Le verset 2 nous pousse à faire des spéculations que je crois être fidèles au texte et c'est que probablement il y avait certaines attaques particulières, ou si vous voulez, trois choses que ces faux enseignants, ces judaïsants disaient contre Paul. Il fait des gros péchés horribles, dégueulasses et bien cachés. Un peu comme certains prédicateurs, certains télévangélistes de nos jours sont reconnus d'avoir eu des péchés vraiment horribles, mais cachés. Et c'est pour ça qu'il répond, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Je n'ai pas une vie de péché caché. C'est probablement pour ça qu'il dit ceci, parce que c'est comme ça qu'il le blâmait.
Deuxièmement, nous n'avons pas une conduite astucieuse, dans le sens, je ne suis pas un hypocrite, je ne suis pas un profiteur. Et ça, c'est une chose qui va revenir plus tard aussi dans l'Épître, où est-ce qu'à maintes et maintes fois, Paul va parler de dire, je ne sais pas de profiter de vous. Je n'ai pas envoyé des gens pour avoir votre argent. Je ne veux même pas en avoir votre argent. Donc, arrêtez de penser que je suis un astucieux, un manipulateur, comme eux vous disent. Nous n'avons point cette conduite-là. Deuxième chose. Donc, la troisième étant maintenant, nous n'interrompons point la parole de Dieu. Rappelez-vous, la parenthèse a commencé avec cette idée que nous, moi et mon équipe, nous ne sommes pas comme les autres, pointant un peu subtilement vers les judaïsants, qui falsifient la parole. Ensuite, il a vraiment été dans les détails de ceci dans le chapitre 3 pour dire, ces judaïsants-là là, qui vous disent, on ne comprend pas d'où que Paul prend son message. Il doit manipuler la parole de Dieu. Il dit que ça vient de l'Ancien Testament, là, mais c'est faux parce que nous, on ne le voit pas. Nous sommes des théologiens de l'Ancien Testament et on ne voit pas. Paul est un menteur. Et c'est pour ça qu'il a terminé le chapitre 3 en disant, la raison qu'il ne le voit pas, c'est parce qu'ils sont voilés. Et tant qu'il ne se convertit pas à Christ, qu'il ne reconnaît pas Christ comme le seul chemin, la seule porte, comme le sauveur, le sacrifice parfait, ils ne peuvent pas voir. Le voile reste sur l'Ancien Testament et ils le voient comme l'Ancien Testament comme étant la fin de tout ce que Dieu avait à dire. Mais ce n'est pas la fin. Et c'est pour ça qu'il comme je dis, ça devient une des choses, une des attaques de ces faux enseignants. Paul, il est en train de falsifier l'Ancien Testament. Il est en train de mentir sur les prophéties. Mais pas dit non. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Au contraire, hein? Mais nous parlons de la vérité. Quelle est cette vérité? C'est quelque chose à se recommander ou plus exactement de se tenir debout devant la conscience des hommes et devant Dieu. De se tenir devant la conscience des hommes par deux aspects. La première étant, ils vivent fidèlement la nouvelle alliance. Ils ne sont pas en train de vivre dans le péché parce qu'ils présentent une alliance qui est sur la grâce. Ce n'est pas vrai. Parce que l'Esprit est en eux, puis il les vivifie, il les sanctifie. Hein, de gloire en gloire. Donc, dans ce sens-là, il tient devant la conscience des hommes. Mais probablement, c'est plus l'idée que l'Évangile, c'est une attaque devant la conscience des hommes. De dire, vous êtes coupables. Tous. Même le judaïsant, même le théologien juif fidèle à la Torah, tu es coupable devant Dieu. Et on peut se tenir devant ta conscience et devant Dieu pour dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est peut-être plus dans ce sens-là qui veut dire qu'on prêche la parole fidèlement, puis cette vérité, c'est justement qu'on se tient devant la conscience des hommes, puis on dit, nous sommes tous coupables. Et c'est ça qui va rentrer justement dans le vif du message, encore une fois, je sens à défendre que, même si les judaïsants ne le voient pas, et on pourrait dire de nos jours, plusieurs religions, mormons, témoins de Jéhovah, musulmans, ne voient pas ça, qu'est-ce qu'on dit? Ben, il l'explique au verset 3 et 4. 3 et 4, on va le lire ensemble, parce que ça se complète. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça, c'est un gros « ouch ». Ça, c'est un coup bas un peu. Pourquoi qu'ils ne le voient pas? Parce qu'ils sont encore voilés, et on peut dire qu'ils sont voilés et de ceux qui périssent. Au tout début, ici de la parenthèse, quand il parlait que ce message est une odeur de vie pour certains, pour ceux qui vont croire et se repentir, mais c'est une odeur de vie, de mort, pour ceux qui périssent. Et là, Paul est en train de dire, tous ceux qui sont voilés sont ceux qui périssent, comme les judaïsants, qui se croient tellement fidèles à Dieu, tellement certains de leur salut, que leur message est certain de les sauver, ils sauvent tout qu'ils l'écoutent. Et qui dit, le message de Paul, il faut rejeter ça. Il n'y a pas de loi dans ça, donc il ne faut pas l'écouter. Paul dit, ils sont voilés. Et de ceux qui périssent, et encore pire, les incrédules. Pensez à ça, là. Le juif se pétait les bras de dire, nous sommes de ceux de la vraie foi. Paul dit, non, vous êtes de ceux qui ne croient pas. Parce que vous ne croyez pas à la vraie foi, à la vérité. Vous êtes des incrédules dont le Dieu de ce siècle, hein, Satan, hein, garde un aveuglement. C'est lui qui tient le voile sur le cœur de ces gens, sur les yeux de ces gens, pour pouvoir voir la vérité que Christ est dans l'Évangile. Il est dans l'Évangile. Il est dans l'Ancien Testament, pardon. Christ est dans l'Ancien Testament. Christ est partout comme la promesse du salut assuré en Dieu. Mais l'ennemi garde ce voilé.
Qu'est-ce qu'il a volé exactement? Mais il nous dit la splendeur de l'évangile qui brille. Il a parlé justement de cette idée qu'il y avait une gloire dans l'ancien, mais il y a une plus grande gloire pour le nouveau. Parce que c'est littéralement la gloire de Christ, la gloire de Dieu lui-même fait chair qui brille. Et Satan cherche à garder ce voile opaque pour que les gens puissent voir cette image brillante de Dieu. Rappelez-vous d'Hébreux. Christ, c'est l'image, la représentation exacte. Il est Dieu fait chair. Il est le Fils de Dieu. C'est toute une parole que Paul vient juste de dire. Et il va maintenant la compléter avec les versets 5 et 6 qu'on va regarder un après l'autre. Mais comme je dis, il est en train de défendre maintenant le message. Le message n'est pas compris parce que les gens sont voilés, sont incrédules, sont gardés aveugles par l'ennemi. Qu'ils empêchent de voir comment cette nouvelle alliance que moi je vous prêche est vastement meilleure, vastement plus glorieuse parce qu'elle représente le glorieux Jésus-Christ. Et celui qui va comme jumeler les deux ensemble et vraiment défendre son ministère, encore une fois, sa personne et le message. Il va dire au verset 5, « Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. » Encore, ce n'est pas un message où nous sommes extraordinaires, donnez-nous de l'argent. Nous sommes merveilleux, suivez-nous. Qui est un peu le message de plusieurs de nos jours. Regardez comment moi je suis hot. Comment Dieu a béni l'œuvre que moi je fais. Il dit non, je ne prêche pas moi-même. Même au contraire, il dit, nous sommes vos serviteurs, vos doulas, vos esclaves. Il va vraiment détruire l'attitude des judaïens qui disaient que Paul veut juste venir profiter de vous. Il dit non, vous savez, depuis le début, on a tout fait pour votre bien à vous, pour vous servir, pour vous honorer. Mais on l'a vu un peu dans le début de cette épître, au chapitre 1, quand il parle de cette idée que on ne domine pas sur votre foi. Ce n'est pas ça l'idée. Je ne veux pas venir vous dire comment vivre votre foi. Mais cherchez à contribuer à votre joie en vous prêchant le vrai message de l'Évangile. Pas le faux message de la loi que ces judaïsants vous prêchent. Qui va juste vous condamner, vous attrister, vous écraser. Non, il dit, je prêche quoi? Je prêche Christ. Donc, sa personne, elle a le message, je prêche Christ. Christ lui-même est l'Évangile. Il est l'accomplissement. Il est la bonne nouvelle. Et c'est sur cette note qu'il va terminer au verset 6, c'est vraiment le point d'exclamation. Le verset 6, c'est la puissance de ce message que Paul prêche. Il dit au verset 6, « Car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Voici pourquoi il dit justement, ce qu'on prêche, c'est Christ lui-même, car Dieu, c'est ça son évangile. Car l'évangile de Dieu, c'est Christ. Comme il dit, c'est faire briller la gloire de Dieu sur la face de Christ. Comprenez que ce que Paul présente ici, ce n'est pas l'évangile de la version humaine pour nous sur la terre. La croix, la repentance, la foi, c'est l'aspect divin. Comment Dieu accomplit l'évangile sur cette terre, dans nos cœurs. Celui qui a la puissance de tout créer à partir de rien, ex nihilo. Celui qui a fait sortir la lumière des ténèbres sans que personne lui demande. Pas parce que l'être humain lui a demandé, pas parce que l'être humain avait besoin. Dieu a fait, selon son choix, sortir de la lumière des ténèbres. Et c'est lui qui fait aussi éclairer, qui enlève le voile, qui ouvre les yeux pour que les gens voient Christ sur la croix, comprennent qu'il est mort pour leur péché et se tournent vers lui avec foi et repentance. C'est comme je dis, c'est l'aspect de l'évangile du point de vue de Dieu, qui, comment lui l'accomplit. Nous croyons, nous repentons, mais ce que Dieu fait premièrement, c'est qu'il enlève le voile pour qu'on voit la beauté de Christ, qu'on réalise qu'il est le sauveur parfait, qu'il est Dieu fait chair, qu'il est venu mourir pour nos péchés, étant le sacrifice parfait. Quand on voit ça, quand le voile est tendu, quand l'ennemi ne peut plus boucher nos yeux, nos cœurs fondent, nos cœurs sont transpercés. On tombe en amour avec cet évangile, on s'accroche à la croix. Mais c'est ça, c'est la puissance de l'évangile, elle est de Dieu. C'est pour ça que ça ne dépend pas de ton message et comment tu le prêches, ou comment tu es bon pour argumenter, ou combien tu pries. C'est Dieu. Point. Hein? Car Dieu. Oh, combien j'aime cette idée de Dieu et d'être Dieu-centrique, parce que c'est de lui, par lui et pour lui
qui sont autre chose. Et donc voici, Paul était quelqu'un qui était honorable. Le message qu'il prêche était la vérité. Les gens ne le reconnaissent pas parce qu'ils sont voilés, car dans l'aveuglement. Et pourquoi ils sont aveuglés? Parce que la splendeur de Christ est si rayonnante. Alors, lorsque tu la vois, lorsque tu vois Christ sur la croix par les yeux de la foi, ton cœur est capturé. C'est fini. Pas juste parce qu'on te dit le message, parce que Dieu ouvre ton cœur pour le voir. Le voile est enlevé. T'es faite. T'es faite. Tu y appartiens maintenant. Tu es né de nouveau. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Quelle belle vérité. Et quelle, je dirais, paix pour nous qui veulent prêcher l'Évangile et qui vivent dans un temps où les gens rejettent notre message. Encore plus, nous, en tant que chrétiens, vous êtes des hypocrites, vous êtes des menteurs, vous êtes des moralistes, vous êtes ci, vous êtes ça. La beauté, c'est même si on cherche à se défendre, à défendre la foi, à la fin de la journée, c'est Dieu qui sauve. À Dieu, rien n'est impossible dans le contexte du salut. Et donc, ça, c'est notre paix pour ceux qu'on aime autour de nous. Gloire à Dieu, béni soit-il. Et prions. Ah oui, grand Dieu. Nous avons tellement de gens autour de nous que nous aimons. Des gens de nos familles. Des gens de notre voisinage, des gens de notre travail. Mais on reconnaît une chose. Seigneur, c'est toi qui as fait sortir la lumière des ténèbres. C'est toi qui as créé à partir de rien. Et c'est toi qui enlève le voile. L'ennemi ne peut pas l'empêcher. C'est toi qui transperce les cœurs par la beauté de Christ. Et nous sommes capturés comme par des crochets. Comme par une ligne à pêche. Et nous sommes à toi ensuite. Merci. Merci pour cette espérance, pour les autres autour de nous, comme pour le fait que tu nous as capturés aussi. Oui, Seigneur, tu as ouvert nos yeux. Et maintenant qu'on a vu Jésus, on est en amour avec lui. Et on prie la même chose pour ceux autour de nous. Aide-nous à proclamer, Seigneur. Aide-nous à te tenir devant les consciences, comme Paul dit, et de prêcher fidèlement la bonne et la mauvaise nouvelle. De peinturer la beauté de Christ aux gens, pendant que toi, tu enlèves le voile pour qu'ils le voient vraiment. Et sauve des âmes encore aujourd'hui, Seigneur, nous prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis, frères et sœurs. Continuez la Bible. Beaucoup plus qu'écouter mes petites vidéos. Lisez la Bible, frères et sœurs. Soyez bénis. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.